On va changer de plan déjà, on va mettre le bon plan pour la vidéo. La vidéo. Ah, que je m'attalie, souhaites-tu? Oh, enfin, que je me déverrouille, que je me débloque dans... Je sais que Christella attend ça aussi. Que je me débloque avec Lara Croft dans Tomb Raider 4 en Égypte. J'ai toujours pas pris le temps de regarder, à me coincer là à 80% du jeu, je crois. Bon, je réallume mon cerveau parce que Spen Lucky. Celui-là aussi, il n'est pas évident. Il fait cogiter parce qu'il y a des énigmes dedans. L'intro, vous la connaissez, hein. Je vous la remettrai une fois plus tard, mais le mois prochain. Je fais mon vilain. J'étais. Normalement, il faut que je reprenne à la reprise. Dans les dates. Ouais, normalement c'est ça. C'est ça. Bon, bah, on va peut-être se faire deux bonnes petites heures de. Ah, c'est pas Thalys. Oh merde, c'est les énigmes. J'avais complètement oublié que j'avais les énigmes à me coltiner. Alors, attendez, pardon. Parce que. Oh là là, puis j'ai la sensibilité de la souris qui est trop puissante. Alors c'était quoi? Quelquefois ce que l'on peut voir n'est pas le réel. Oui mais il y a un sort de désillusion là. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est quoi la désillusion? Est-ce que je maîtrise le sort? Ou alors il faut que je... Révélation. Voilà. Donc je fais ça. Et normalement... Je vois mon épée. Je comprends pas. Je comprends pas. Révélation. Alors moi j'ai le mémo, hein, vous le voyez pas à cause de mon habillage de chaîne. Mais j'ai le mémo tout en haut à droite pour les runes à exécuter. C'est pour ça que je semble étrangement si tant à l'aise avec la magie. Enfin, si j'arrive à répéter le bon truc, merci. La petite coche de... Merci. Voilà. Et je vois rien. Non mais c'est... C'est ça, c'est pas possible. Donc c'est claque. Du coup, je le connais par cœur. Ah merde, mon perso a faim. Mais c'est l'espèce de haine de mes deux. Mais oh, c'est chiant en fait. Il y avait une espèce de haine. Comme ça. Mais non, mais c'est nul. Mais vraiment. Oh. C'est une espèce de haine entre nous. Je déconne. Non mais on dirait la lettre N mais cassée quoi. Et voilà, je... Mais hé, ça a pas non? Oh, mais il abuse hein, le jeu. T'abuses le jeu. C'est ça ton truc à la noix. Mais si je le fais bien. Je le fais comme sur la rune. Non mais le jeu il veut plus là. Mais... C'est... Oh. Négation déjà. C'est l'enfer. C'est limite s'il faudrait pas que je fasse ma magie entièrement avec des parchemins. C'est incroyable, j'ai réussi à le faire une fois. Les 50 fois suivantes, ça marche plus. J'ai l'air ridicule. Non mais c'est pas au point, c'est naze. Ah, là, merde, la suite c'est quoi, je sais plus. Ah oui, c'était ça.
Ah! C'est les trois là? Attendez, il s'est passé un truc. Attendez, oh là, j'en suis troublé. Oui, voilà, je sors du mode combat là. Attendez. C'est ça? Non? Merde, Oum! C'est les trois là? Que c'est la porte derrière moi. Non, c'est pas ça. Faut que je le refasse. C'est pas chiant du tout. Il n'y en a plus qu'un. Je sais même plus comment je fais les sauvegardes rapides ici. Comment ça marche? J'avais pas une sauvegarde rapide? Ah si, c'était au clavier là. D'accord, c'est comme ça. Ok. Oh oui! On a... attendez, j'avance avec le serpent parce que j'ai gagné un serpent. Il doit forcément servir à quelque chose, lui. Oh! Et comme quoi faire une longue pause. Ah, Torota dit que j'ai vu la solution sur des plaques à tourner par rapport à la lune et au soleil. Et pour être honnête, c'est chaud. Alors, voilà, je suis content de solutionner les énigmes femme serpent là par coup de bol parce que ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué. Et la crypte, on reviendra après. Parce que. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Oui, une herse, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Très prince de Perse, hein. Prince of Persia, là. On y est. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour Fun Fan. Alors tu vas mieux? Waouh 22 et moi bonjour à tous. Bon rétablissement évidemment déjà. Mais j'espère que tu vas mieux et merci pour ton réabonnement Fun Fan. Comment... Attendez, je comprends pas. Il faut que je fasse le tour de la pièce parce que là... Ah merde. J'ai un deuxième serpent à gagner. Ah, je crois savoir. Ah, il va y avoir une combinaison sur les... Et ça montrait quoi? Il n'y avait pas de signe distinctif au niveau du levier. C'est bien mon éclairage. Oh, il va falloir que je Fichtre, dépose... merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Il faut que je dépose un objet différent. Ah bah tiens, je pourrais presque faire les pierres du... Ça, c'est pas con. Ah oui, c'est vrai que mon perso a faim. Les pierres du... Encore que je sais pas si c'est vraiment distinctif. Parce que quand je dépose une pierre, elle est à plat. Ah ouais, ça fait petit là, c'est pas... Ouais, non, je vais faire des objets différents parce que sinon je vais pas... Là, je vais mettre un calice en or, histoire de reconnaître le levier calice. L'autre, je vais mettre une corde. Souci de santé, on verra avec le temps si je vais aller mieux. Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, bah courage avec ça. Alors ça va mieux, mais avec les médicaments, je suis décalé sur le sommeil. Oui, alors le fait que tu sois décalé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu récupères de l'énergie. Alors ça, c'est primordial. Et que tu souffres plus.
C'est l'intérêt numéro un de la médecine, c'est ne pas souffrir. Attendez, excusez-moi, je vais mettre carrément la pioche. Voilà, ça a l'air très con. Et oui, bah le truc qui a pas d'objet, voilà, ça c'est extincteur. Donc, il faut que je tire un levier. Ah bah la rune. Il faut que je... On est d'accord? Oui, c'est bien la rune. Qu'ils me disent pas un truc de suite. La rune, elle était là, je crois. Ouais, donc c'est ça. Mais t'as déjà mangé. Oh, il pense qu'à bouffer, le héros. Ah. Tiens, mange le champignon, c'est libéré une case. La corde. D'accord, c'est une combinaison à faire dans l'ordre. La corde, elle était là, je crois. Oui. La suite. Tiens, je peux pas interroger le truc en étant en bas. Non, demain. Ah si, 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 pas mal. Là, je trichote. Je trichote parce que je profite de la portée. Il est où le sapin? Le serpent, pardon. Sapin, c'est dans 2 mois. Clac. Ah, j'aime bien l'énigme. Et ça va sûrement ouvrir la herse qui se dressait devant moi. La pioche, elle est en deuxième. Elle est là. Ah, le calice. Le calice, il est en face, je crois. Et ensuite, ah bah le truc qui est vide. Le truc qui est vide, ça doit être celui-là, je crois. Oui. La musique de la victoire. Et je récupère le serpent doré. Il est beau. Il faut que je récupère mes trucs, moi. Ah oui, ma pioche, elle était là. Eh ben ça commence vachement bien, dis donc, de résoudre le truc de la femme serpent. Vous voyez comme quoi arrêter un jeu vidéo un bon bout de temps quand on progresse plus, revenir plus tard, c'est pouf, ça décongestionne direct. Et là je me suis rappelé que j'avais un sort de désillusion. Je sais pas ce que j'ai fait avant, je sais plus. Mais j'ai dû faire le sort, mais pas au bon endroit en fait. J'avais pas fait gaffe au levier. Enfin, à force de tourner en rond, j'aurais fini par les faire, mais bon. Mais. Oh la vache. Et l'avoir fait 2 fois veut dire que j'ai pas encore un haut niveau de magie. Je l'ai fait maladroitement. Bonjour Benzaï, j'espère que tu vas bien. Ah, alors la suite c'est. Quoi? Chemin le plus long. Ouais, et là c'est. Oula. Chemin le plus court. Eh ben, on va être courageux, on va faire le chemin le plus long. Ah, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un, c'est une. Illusion. Alors, pourquoi y aurait-il un chemin plus long? C'était une plaisanterie. Elle est pas drôle. J'ai des ampoules aux pieds. Prenez le chemin le plus court et vous verrez que le détour que vous venez de faire l'a bien rallongé. Ah, ça veut dire qu'il y avait intérêt à venir ici avant d'aller dans le plus court. Je pense que je serais allé direct dans le... Ces illusions, elles sont terribles.
J'aurais pris le plus court tout de suite qui m'aurait dit. Il m'aurait dit. Ah, il se passe un truc. Ah, on voit une porte. Il m'aurait dit. Oh, mais il y a quelqu'un. J'ai sauvegardé. Parce que là, on voit où il y a une silhouette devant moi. Là, je. Qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui s'est passé, Benzaiten? Bah, t'es familière du canal? Ah merde, t'as pas dormi de la nuit? Ah merde. Attendez, j'entends un claquement de portière devant chez moi. Oui, on est d'accord, c'est les voisins. Il se passe des trucs. Glouglou, et j'ai pas fini mon café au lait du matin, moi. Je bois pas assez, c'est pas bien. Merde, t'as pas dormi de la nuit. Oh la vache. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Ah, d'accord. Sur des comptes sur d'autres appareils, d'autres terminaux informatiques. D'accord, ok, merci une nouvelle fois, Benzaiten. Ok. Parce que je comprenais plus. Je dis, mais c'est bizarre, t'es familière de mon canal. Alors. Oui, j'allais dire. La manière dont s'approche le truc inhumain. Qu'est-ce que... On dirait le prince de... Oh, je suis passé au-delà du miroir, là. Oh là là, va y avoir un truc casse-tête. Putain, mais il fait mal, lui. Ah, j'ai gagné. Ça va, c'était gentil, vraiment. C'était gentil. Eh oh, les illusions sont pas censées faire mal. Hein. Là, un homme. Un homme qui avait un anneau maudit de la souffrance. Un homme qui va me rapporter des sous parce que la bague maudite, elle vaut des thunes. Et une épée courte. En parfait état en plus. Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Eh ben, un jour viendra, je reviendrai ici. Voilà, il est mort avec les honneurs. Un jour viendra... Attendez, je venais d'où? Je venais de là. Hein. Parce qu'il y a une symétrie dans la pièce qui me dérange. Donc lui, il est mort du côté... Bah... Ah non, attendez, c'est quoi ça? Non, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Je préfère rentrer dans le mur parce que pour peu qu'il y ait une illusion de... Ah, il y a un bouton là. Il y a un bouton losangique. Ok. D'accord. Ça a ouvert en face. Non. Attends, j'ai vu un bouton là ou j'ai rêvé? Non, j'ai dû rêver. Le jeu qui est en train de me retourner le cerveau, mais... pardon, je vous loupe dans le chat. Le perso n'a pas de texture. Oui, c'est un style. C'est, voilà, pour le donner fantomatique. Oh, il y a un truc au pied du machin. Non, non. Là, il n'y a pas de bouton, par contre. Il n'y a pas de... Je peux pas. Et ça, c'est un... Ah! Ça, c'est une illusion. Alors, là j'ai quoi? Oula, j'ai eu un subresaut là, j'ai pas compris. Ah! Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Oh, c'est sombre. Je sauvegarde, parce que je trouve que j'avance vachement bien là. C'est... Un de ces jours, ton horloge va me faire sortir... À quoi me faire avoir un AVC? Pourquoi? Ah, le carillon! T'aimes pas le son du carillon? Alors, j'ai encore pas prévu pour la saison prochaine, l'année prochaine, au 1er janvier, mais Benzaiten, en général, j'essaye de changer de son, tu sais, qui annonce l'heure qui passe. J'essaye de changer le son chaque année, chaque saison. Donc, là, pour 2023, c'était un carillon. J'ai pas encore choisi dans ma banque de sons ce que j'allais mettre pour 2024.
Mais théoriquement, ça devrait être autre chose. Je pourrais vous mettre n'importe quoi, hein, méfiez-vous. Hein. Je pourrais vous mettre un aboiement de chien, comme... alors peut-être pas une porte qui claque, parce que ça ferait peur. C'est pas le but. Mais... je verrai au 1er janvier. C'est ce qu'il a fait, Ben Zaiten. Il fun fan et allé voir le médecin pas plus tard qu'hier. Parce que la douleur devenait ingérable. Ah, ça te fait sursauter à chaque fois. D'accord. Pourtant, c'est pas... enfin, c'est pas fait dans ce but-là, quoi. Mais je conçois. J'ai plus de torche ? Non, déconne pas, c'est ma dernière. T'as les boules. Oh, il y a un truc qui... oh ! Wouah ! Attendez, il y a un truc, là. Oh, vous êtes... oh ? Vous avez vu le plafond ? Il y a une porte. Un truc qui coulisse ou un mur qui devient mou, qu'on peut traverser. Attends. C'était quoi la note ? Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Oh, il faut jouer avec le serpent qui vaut de l'or. Les serpents dorés. Serpent doré ! Non ? Faut lancer le serpent doré. Ah, ça a l'air de marcher. Oh, je vois que ça buguait vers la... ah merde, il faut y aller avec les serpents dorés en main. Ah non. Bah, les serpents, ils passent. Ah! Ah non. Merde, je peux plus récupérer les serpents. J'ai fait une connerie, une bêtise, pardon. Attendez, on va éteindre la torche parce que j'en ai plus. Attendez. Alors là, j'ai pas compris. Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Bien joué. Si le message est là, c'est pas pour rien. Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Ne me dis pas que c'est la bague du gars en vapeur là que j'ai tué. Je vais lancer la bague, je vais jamais la retrouver. Non ? Ah, il faut que je mette la bague. Ah, il faut que je mette la bague pour pouvoir passer. On est d'accord, hein, je suis équipé de la bague. Attends voir. Je garde juste la bague maudite. Voilà. Et là, je passe. Pas. Merde, c'est pas ça. Je gamberge. Attendez. Personne de valeur. Personne de valeur. Personne de valeur. Je regarde mon inventaire en même temps, mais je vois pas ce qui pourrait... ne me dis pas qu'il faut y aller, par exemple, en ayant l'inventaire vide. T'as le nez qui coule. Ah, toi aussi ! Oh là là, j'ai quelqu'un de mon âge que j'ai vu, un professionnel cet été sur Nancy, qui me disait... il m'a foutu des boules, parce que je m'attendais pas qu'on puisse en avoir si jeune. Ma maman en a une, mais elle est à la retraite, ça peut se comprendre avec l'âge. Et moi, je sens que je vais finir par y avoir droit aussi, le coup de la machine apnée du sommeil. Parce qu'il paraît que je ronfle énormément. Enfin bon, je vais remettre mes bijoux là de famille, si je puis dire. Je vais me remettre l'intuition ultime. Enfin, si le jeu dédaigne à vouloir me le remettre, merci. Et ouais, mon truc de gras caca là, qui est magie de quoi ? Ah oui, oui, je gagne en protection contre la magie. D'accord. Tu peux aussi te faire opérer pour les ronflements.
J'en toucherai peut-être un mot à mon médecin prochainement, ouais, ouais. Comme j'ai la chance en général là d'avoir une bonne santé. Moi aussi je ronfle comme un camion, dit Dragon Sky. Ouais. J'ai pas compris l'énigme. J'ai pas compris. Écoutez, je vais sortir de là par rapport à l'énigme et. Merde! Ça saute. Oh, le mur est fermé. Ah oui, non, merde, c'est vrai que c'est une illusion. Oh, wow, les femmes serpents, elles sont terribles. Alors, j'espère qu'il n'y a rien qui s'est refermé derrière moi, parce que alors là, je suis dans la... Hein, j'espère qu'on n'est pas obligé de faire toutes les énigmes en une seule fois. Courage, il y a des trucs dans le... Non, c'est de la déco... C'est de la déco. Ah non, mais elles sont redoutables, les... Bouh, les vilaines. Heureusement qu'elles sont qu'en statue. Enfin, du moins qu'elles soient pas contre moi, parce que... J'avais pataté une fois une femme serpent, et j'avais rembobiné, hein, je vous avais expliqué pourquoi, parce que j'ai peur de casser le jeu. J'étais pas censé être en conflit ouvert avec les femmes serpents. Et... Bon... Ça va, c'était correct, elles n'étaient pas trop dures à violenter. Honte à moi, mais... Non, je me barre, je fais autre chose. Je vais retourner chez les humains, déjà. Ça va me faire du bien de retrouver mes semblables. Oh, toi, faut pas que je te zappe. La petite fleur, faut surtout pas que je te zappe. J'ai cru entendre un bruit. Et on va peut-être finalement, Torota, retourner dans la crypte. Qu'est-ce que j'entends? Dans le jeu, hein, j'entends un bruit dans le jeu, je comprends pas ce que c'est. Ah, c'est une poule! Roule ma poule, c'est toi que j'entendais. Oh, c'est énorme. Une poule qui m'a guaqué l'esprit. Et je suis perdu. Poil au U. Elle est très lourde de pierre. J'ai fouillé des cadavres. Non, il y a une dague ici. En sale état, mais une dague. Ils n'ont que des vieux os. Ouais. Oh, je l'ai pas éviscéré. J'ai pas pris sa chair que je peux me cuisiner au barbecue et me faire de la bouffe. D'ailleurs, c'est simple, mon perso il carbure au rat burger. Voilà, pareil. Je devais être en panique quand je les ai tués. Attends, j'ai un doute. J'étais pas confronté à l'homme rat. Là, il y a un truc. Faut ouvrir grand les yeux. Hein. Attendez, je vais vous regarder dans le chat parce que je vois que ça bouge. Benzai Tendi, le sage, tu peux m'aider pour trouver ce Kafunfan, s'il te plaît? Quoi, sa pathologie, sa maladie? Il a un souci à l'oreille, mais je suis pas son médecin, donc c'est à sa discrétion. Hein. Je suis pas... Voilà, c'est... tu l'as rajeuni. Moi j'ai bien compris ces derniers temps, cette semaine, quand j'ai pu échanger avec un fan, je voyais bien qu'il était dans le mal. Parce que de se tenir l'oreille comme un corse en train de chanter. Oui, c'est peut-être une otite, je sais pas, mais voilà. Pauvre fan, il en a souffert. Donc là c'est bien, grâce à son traitement il va bien, enfin il va mieux. Maintenant il faut qu'il récupère de l'énergie et que... Ah, un poisson cuit, tiens, on va le manger. Et que voilà, qu'il revienne comme avant, Fun. C'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est cool, qu'il reprenne du poil de la bête. Mais non, je suis pas son médecin, oula.
C'est à sa discrétion. Je sais déjà plus... C'est une canne à pêche, ça? Oui, c'est une canne. Canne à pêche. Ça fait débile. Tiens, c'est tellement débile que je vais la laisser là. Tiens, le rat, là, je l'ai viscéré ou pas? Parce qu'il y a des dépouilles de rat partout. Non, pareil, je l'ai pas viscéré non plus. Oui, c'est une mardose. Eh, hey, ça se cueille, la fougère. Pourquoi je passe devant sans rien faire? Faut que je la récolte, moi. Ça fera de la potion, là aussi. Oh là 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 là. C'est un cadavre ou c'est un crâne, ça? Non, c'est rien du tout, c'est du décor. C'est du décor. Ouah! Ouah! Il y a de la thune, il y a un nonos. Il y a des torches que je peux même pas prendre, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. J'ai le bâton de bois, je le garde parce que j'ai peur pour le... J'ai peur d'en avoir besoin pour la suite. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le bâton dans ce cadavre. Et je prends les torches. Et les torches, ça vaut... Ça vaut tout l'or du monde. Voilà, clac. Non, je fais un clic comme ça pour avoir tout d'un coup. Dorota me dit... On a retrouvé mon squelette, merci. Oh. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais il faut que je revienne ici, punaise. Il y a des trucs à revendre, là. Et oh. C'est quel niveau, celui-là? Je suis où dans les limbes? C'est le point d'interrogation. Je suis... Non. Je suis au sixième sous-sol. Ah, je me voyais pas si bas, dis donc. C'est quoi la croix? Bouclier des gens chiens. Mais c'est dans le... Ah bah, c'est là où il y a l'énigme, en fait, non? C'est... Non? Je sais plus. Je sais plus. Il doit y avoir... Ah, on voit l'énigme des femmes serpents. Ah, c'est juste à côté. Tiens, c'est bien. Le terrain est bien exploité. Oh, je suis au sixième sous-sol, j'en reviens pas. Huitième, alors évidemment, je connais pas du tout. Ça va être la mort. Le 7, c'est... Oh là là. Eh, 6500 tunas, c'est pas mal. Je veux me barrer d'ici. Je veux revenir chez les humains, pitié. Il est où le portail des humains? J'en ai marre d'être dans des endroits lugubres. Jeu de la vie, là, pitié, là, je déprime, au secours. Ouais, je veux parler au roi. Tiens, je peux faire cuire mes trucs, moi. Tant que le feu est là, il va servir. Comme ça. Il y a les 10 d'un coup. Ah merde, ça marche pas. Ah, j'ai pas le droit. Bon, bah, il va se faire voir. Attends, il y a un truc là au-dessus. Là. Eh, ce serait pas une rune en bleu. Ce serait. Ah, j'ai remis la carte, tiens. Comment j'ai fait? Je sais pas. Ah, c'est en sautant que j'ai. Attends, il met un truc là. Il y a un truc. Je triche. Je veux le saisir au vol. Je peux. Je le veux. Comment ça marche? Oui! Oui! Oh, je l'ai déjà. Oh, c'est ça. Bon, vous me direz, ça fait du fric. Attends. C'est dans le jeu que j'entends ou c'est dans la réalité, là? Je deviens fou. Je deviens fou. Prout prout. Mon cerveau me dit... C'est quoi, ça? Oh, dague d'assassin. Eh, hey, c'est l'homme rat qui m'avait agressé. Je me disais bien que je l'avais patâté, lui. Ouah, mais elle est énorme, ça, son arme. Ça, c'est la dague de l'assassin. Il l'avait en main, l'homme rat. Il l'avait en main, le salopard. Merde. Merde, merde, merde. Je laisse ma torche ici. Je vais la mettre comme ça. Ouais, je la verrai plus tard, je pense. Dis-moi, oui, ça fait deux cases. Ça aurait fait trois cases, ça m'aurait fait...
Ouais, je récupère. Ouais, elle est au beau milieu du truc, on la verra à la torche. C'est. Ah, j'ai cru que c'était la poule. Non, pas du tout. Bah. Ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est bloqué. Merde. Où est le portail? Normalement, il y a un portail par niveau. Et là, je suis perdu. Ah, le portail, il est chez les femmes serpents. Merde. Ah bah tiens, il y a une voie d'accès. Il y a une voie d'accès, je me plains pas. On bouge. Je me remets en l'heure, dit Dragon Sky, en sous-marin. Je vais faire un peu de course. Ah, à plus. Oui, tu fais bien, Dragon Sky, à plus. Y a pas de souci. T'as bien raison, profite bien de ton week-end. Oh, des champignons. Ah bah j'ai plus de place. Bah bravo. Et là, le feu, ça marche, les 10 côtes de rat d'un coup ou pas? Ou ça... Il me crotte, le jeu. Attendez. Ah non, le jeu ne veut pas. C'est scandaleux. Il faut que je les fasse une à une. Ah ouais. Faut que je les fasse une à une. Bah merde alors. C'est bizarre, j'avais gardé le souvenir que je pouvais tout faire... Ouais. Ah. Bon. Je suis... Ah, lui non plus, je l'ai pas éviscéré. Génial, je récolte des côtes de rat à gogo. Ah, oh, intéressant lui. Il y a l'humain qui vend des trucs intéressants. Sauvegarde là aussi, rapide. L'humain va me plaire. Je suis occupé, s'il vous plaît, adressez-vous plutôt à mon frère. Ah, pardon. Oh, bah il est pas cool lui. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui achète des runes que j'ai pas? Parce que je crois savoir que la plupart des... Bonjour ange de lumière, comment que ça va? Je crois savoir que la plupart des runes peuvent se trouver par l'exploration. Et ça vaut cher. Hein. Ah, moins de 800 là, la rune, j'ai 5000 balles. Bah tiens, la première, je l'ai pas. La movie, je l'ai pas. La stregnum... Je l'ai. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et Terra... Ah non, c'est pas Terra que j'ai. Très beau. C'est Dreyfou, c'est pas pareil. Il y a que celle du milieu que j'ai déjà. Celui-là, je peux lui la revendre. Voilà. Oh, je suis fou, je lui achète. Ah, j'apprends des sorts. Allez, tant pis, je suis fou, j'achète. Ah, j'ai déverrouillé des trucs. Quoi? Célérité. Ah, on va plus vite. Ah, ça me dit rien, ça. Paralysie. Oh, putain. Oh, putain. Les paralysies. Oh là, il y a des trucs. Troisième œil. Lanceur de sorts pour explorer des zones sans être vu, grâce à un œil volant. Ouh, c'est craqué. On va se promener dans les interstices de l'interdit. Mur de flamme, confusion, lance un éclair. Invisibilité, drain de mana. Drain de mana. Waouh, je peux aspirer comme le météore le... Attribut des propriétés magiques. Oh là 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 là. Invocation démoniaque. Un démon. La créature invoquée a un comportement aléatoire. Ok. Oh le bordel. Interdiction d'événements magiques. Intense combustion. Paralyse toutes les cibles autour du lanceur de sorts. Oh, c'est énorme. Champ de foudre et fournaise. Oh la vache.
Le troisième œil, ça me plaît. Surtout que c'est simple à faire. Le troisième œil va beaucoup me plaire. Et là, il avait... Ah, arc et flèche, il faudra peut-être que je m'y mette. Un anneau de... Bah, j'ai déjà un anneau comme ça. Ah, il a des... Oui, j'allais dire, j'ai plus de passe-partout, mais si. C'est dommage qu'ils vendent plus de torches. Épée de destruction. Maintenant, je me souviens. Quoi? Il a dit maintenant je message me souviens. De FunFan 1992. Putain, bah, quand Chuck Norris va mourir, la planète va faire un tour à l'envers pour le faire revivre. Magne, magne. Attendez, est-ce que je vous ai loupé dans le chat? Est-ce que je me laisse absorber par le jeu? En ce moment, j'essaie de trouver des Fort Boyard autres que français sur YouTube pour voir ce qui change. Ah oui! Oui, ça peut être intéressant, Benzaiten, ouais. Ça va tranquille, un peu galère sur DS1. Dozen siège, premier du nom. Tu vas me dire, c'est pas ça. Mais sinon, ça va tranquille. Bon, bah, c'est bien, jeu de lumière. Ah, là, tu regardes la version grecque de Fort Boyard. Oh, vache. Ah oui, voir les femmes ou hommes énigmes. Oui, bah ouais, ouais, ouais. Mais ils avaient fait pour les, je sais plus, les 20 ans de Fort Boyard, ils avaient fait un tour de vue des versions étrangères. Et ouais, 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 y a, je crois que dans en Scandinavie, en Suède, je crois qu'il y a que des femmes dans le fort, un truc comme ça. De là à dire qu'il y a une mère fourrasse. Mais bon, l'idée est là. Ah, oh, eux, ils sont terribles. Je vois les gobelins là qui chamaillent entre les rats et les poissons. Je suis toujours pas chez les humains, mon inventaire est plein, j'en ai marre, au secours. Je vais devoir ranger des trucs ou en vendre. Et ben voilà, ah merde, non c'est un cul-de-sac. Ah ça par contre c'est dégueulasse. C'est pas un truc des... Comment ça s'appelle? Les rebelles là, avec la fille. Mais il n'y a pas une serrure normalement dans leur truc? Oh, je comprends plus ce jeu. Mais non, je vais pas allumer une torche. Ah si, il y a une serrure. Donc ça doit être les rebelles. La serrure est là. C'est les rebelles. C'est l'épée vers le bas avec des ailes. C'est les rebelles. C'est la fille là qui m'a missionné pour son truc muche d'ancien. Le bouclier de je sais plus quoi, là, des anciens, justement. Oh non! Je re-sauvegarde. Parce que je suis quand même content de sauvegarder, de progresser, mais j'ai peur de me planter. Là, j'ai le droit d'y aller ou pas? S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à vous promener. Coucou. Je suis pas le bienvenu, hein. Ils me disent d'aller me faire voir. Re-coucou, Tunsen, pardon. Dorota, désolé, c'est la mère Foura, mais la mère... Oh. Oui, tu peux sortir, là. Tu devrais avoir honte, Dorota, c'est honteux. Déjà que j'étais limite en disant la mère Foura, mais alors là, t'as osé. Vilain. je sais que dans une version d'Ifunfan, la suédoise, la mère Foura, c'est une blonde avec des... Oui, alors je... Bon, voilà. Soupir. Non, tu te sonnes, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Encore, je sais pas, il y aurait quelque chose de subtil. Faites un jeu de mots plus délicat, je sais plus quoi dire, mais là c'est bon. Je confesse que moi-même, évidemment, j'aurais été tenté, mais je sais pas, j'aurais essayé de faire ça plus élégamment, les garçons, pitié. Puis tout le monde s'y met, là, je suis désespéré, je bon, voilà, je finis par avoir honte d'un effet de groupe, ouais. Ah là 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 là. Mais doucement, FunFan. T'es un peu acerbe dans le propos, FunFan. Mais oui, l'idée de tout le monde refait la même vanne, on a compris. Voilà, c'est ça, dans l'idée. Tu vois, ces fameux rebelles ne sont pas si terribles que ça, finalement. Oui, elle présente Fort Boyard en Suède.
Voilà. Je sais plus ce que je voulais faire. Alors, c'est gentil, eux, mais c'est pas les humains que je voulais voir. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je veux voir leur roi, moi. J'aime bien leur roi dans Rex Fatalis. J'ai le droit de faire quoi, moi, ici? Bah, voir, Alia, je n'ai rien à te dire. Voilà. Ils me détestent, les mecs. Salut! Ah, lui, c'est un peu plus jovial. Et lui, il était pas bien, je crois. Oui, non, il a rien à me dire. Effectivement, il est mal. Il est pas bien. Nulle part, je peux aller. Lui, il m'accueille ou pas? Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Ah, c'est un marchand interne. Message de Dorota 77. Ce live devient Peggy 18 et donc déconseillé au moins de 18 ans. Ouais. C'est ça. Je me laisse surprendre par les messages, mais attends pas. Mais c'est bien, vous avez raison de faire usage de ça aussi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un sac. Oh, c'est pas cher. Oui, mais je peux rien acheter, j'ai plus de place. Attendez, je vais lui vendre des trucs. Sabre non identifié, il me l'achète pas. Merde. Merde, merde, merde. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Un outil d'invisibilité, non. Quoi? Ah, c'est parce que c'est le coffre de magie. Alors, guérison de poison, je m'en sers jamais autant que je lui vende. Invisibilité, ça peut servir. Il ravale sa salive, le mec. Il a des parchemins, lui aussi. Il a même un cierge. Bénédiction, célérité, lévitation, faille temporelle, foudre, négation de champ. D'accord. Dag. C'est pourquoi? C'est par coffre? C'est pour ça qu'il achète pas? Oui, c'est par coffre en fait. Là j'étais dans le coffre de magie, là je suis dans le coffre des armes. J'ai des trucs qui sont passés au vert. Ah, le sabre non identifié, je lui balance parce que j'en ai. Il a peut-être une aura magique, mais il est endommagé, il me servira à rien. Par contre, la dague de l'assassin, je la garderai bien. Elle est empoisonnée en plus, c'est pour ça qu'elle est verte. Elle fait bobo. Coup critique plus 50%. Je sais pas si je peux la porter, mais je vais tout faire pour. Parce que ça en main, je... Il n'y a pas grand-chose qui va me résister avec la foutue dague. Épée courte, qu'est-ce que je fais? Je la vends. Ouais, comme j'ai la dague du truc... J'ai la petite dague... Attends, 4 en dommage, l'autre elle fait 2. Ouais, mais elle prend 2 cases. Ah, mais j'en ai deux, j'avais pas vu. J'en ai une qui est endommagée, donc je la vends. Alors. Ah oui, l'anneau de la souffrance, j'espère que je vais pouvoir lui céder aussi. Il vendait un sac, ça m'avait surpris. Je veux l'acheter. Comment je m'en sers? Comme ça? Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ceinturon de l'inventaire pour afficher le contenu de tous vos sacs. Oh mais c'est trop bien! J'ai doublé ma capacité! Je dis oui! Ah, puis il a des torches! Oh, je les achète toutes! Je peux tout acheter en lot? Non, j'ai pas le droit, le jeu fonctionne pas comme ça. Mais oui, je lui achète toutes les torches. Comme j'ai de la place, le cierge va y passer aussi. Alors, excusez-moi, mais moment achat, parce que trop bien. Je résiste pas à l'idée de... Trop bien. Il vend des... Il vend des morceaux de bois. Il vend des morceaux de bois. Là, j'ai une bougie.
Je vais l'acheter. Hein, message de Funfan 1992. Oui. Petit rappel à 2H du matin, nous changeons d'heure, nous passons aux heures d'hiver, donc il sera un H du matin et on a une heure de sommeil en plus. On va manger quelque chose. Merci, tu fais bien de le rappeler, tu as raison. C'est vrai qu'on va changer d'heure et ça. Voilà. Soupir. Oh, c'est beau! Par contre, s'afficher avec leur blason. je mets le blason là devant le roi qui déteste l'ordre des rebelles. Le roi me congédie de sa cour. Je ne sais pas si c'est programmé, mais ça pourrait être drôle. Faudrait que j'essaye. Résistance 80, chemise de maille. Furtivité, nananana. Ouais, je sais même plus ce que je porte moi. 8 de force, j'ai combien moi? J'ai 11 de force, ça va plaire à Funfan. 80 résistance, c'est tout. J'ai CA plus 6, alors que là j'ai. Ah, mais je perds en magie et en furtivité. Ouais, non, elle est pas si bien que ça leur truc en côte de maille. Mon plastron de cuir léger est meilleur. J'ai les avantages sans les malus. C'est quoi ça? Une masse de forgeron. Oh, oh. Oh, c'est beau, une targe. C'est beau. Attendez. Ah, 14 de force. Non, là, je peux pas, là. Par contre, j'ai pas vérifié les froc. Oui, les jambières de maille. Ah, 8 de force. Je pourrais les mettre, mais là, c'est pareil. Je perds en furtivité. Bah oui, ça fait un bouc en enfer, la maille. CA plus 5. Mon froc me donne. Ah bah ça correspond à ce que j'ai actuellement. Oui, c'est exactement la même chose que j'ai. J'ai moi aussi des jambières en maille, donc ça va pas. Ça peut pas me satisfaire. Gourdin, dague, il a un arc, il a une épée de destruction lui aussi, dis donc. 14 de force, 60 corps à corps. Oh la vache! Tu me diras, elle fait 11 de dégâts. Alors je peux pas la prendre, mais quand je l'aurai, celle-là, elle va faire beaucoup de dégâts au corps à corps. Est-ce que je me mets à l'arc? Ce serait pas mal, non? Il faut 30 en attaque à distance. Je les ai largement, normalement. Ah non, j'ai 29. J'ai rien dit. Ah merde! Ah merde! C'est quand que j'augmente de niveau, moi? Comment on le voit? C'est où? J'ai pas une stat qui me dit j'augmente de niveau dans Prout Prout. Oh, je peux même pas tirer à l'arc. Bon, bah, je suis déception. Le dernier coffre, c'est quoi? Ah, bah, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe et j'en ai. Je carbure au rat burger. Sauvegarde! Ah, le sac, c'est trop bien. Rien que le sac, c'est trop cool. Ah, il voulait peut-être sortir, pardon. Oui, il va aller manger un morceau, là. Là, j'ai le droit d'y aller ou pas? C'est quoi? On est... C'est privé, ici. Oui, c'est privé. Oui, j'allais dire, c'est bizarre. Oh, il y a des trucs là-dedans. Je sens qu'il faille faire lévitation. Et il y a des trucs dans les cavités. C'est trop bizarre. Alors eux, ils sont toujours autant buggés. Et là, il y a une sortie normalement. Ah bah oui, mais comme j'ai un super inventaire, maintenant je peux prendre les champignons. Merde, je l'ai mangé. Bon, tout va bien. Sortie. Que je vous lise. Ah, tu parlais pour tuer une scène. Mince, t'as mal choisi, t'as pris Torota. D'accord. Oh là là, ils ont rien dans les bras, les hommes grecs, c'est très mou.
Pardon ? YouTube, maintenant, t'es obligé de marque d'avoir les pubs ? Ah, le monsieur des énigmes, dans la version grecque, il est beau, il est bien, il est... Ah. En plus, ça ne marche rien du tout en ce moment. Oui, alors tu rigoles, tu une scène, mais c'est peut-être le traitement qu'il a, FunFan, au niveau de ses oreilles. Il est peut-être obligé de se mettre des gouttes, mais bon, bref, l'essentiel, c'est qu'il arrive à soigner. Oui, t'as des gouttes. Ouais, bah c'est pour rincer le conduit interne de l'oreille interne, en fait. Donc, t'as dû te choper une infection, je sais pas quoi, mais voilà. Ça va finir par se rincer, et puis ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Des antibiotiques, t'as fait une infection. Si t'as des antibiotiques, c'est que t'as fait une infection. Bah, t'as bien fait d'aller voir un médecin, parce que... Si l'infection s'était généralisée, là, t'étais très mal. Ouais, ouais. C'est que tu t'es pas loupé. Après, il est possible que le médecin t'ait mis en garde en disant qu'il faudra peut-être consulter un ORL derrière. Parce qu'une fois la désinfection faite, tu peux potentiellement avoir une perte de l'ouïe. Ça la fout mal. Si tu deviens sourd d'une oreille pour ça, je te le souhaite pas. Mais bon, bref, t'es entre de bonnes mains et c'est très bien. Faut utiliser des cotons-tiges de temps en temps et pas un par an. Ouais, mais les cotons-tiges aussi, faut faire gaffe. C'est... Tout a des avantages et des inconvénients. Moi, plus jeune, je sais qu'on m'avait reproché de trop utiliser de cotons-tiges. Et surtout, la crainte qu'avaient surtout mes parents, c'est que je l'enfonce trop loin et que je me crève un tympan. Je pense d'ailleurs que ça va être la crainte de tous les parents. De s'auto-mutiler. Et voilà. J'ai un pote à qui c'est arrivé. Je sais plus comment, mais il s'est transpercé le tympan et il a saigné de l'oreille et il a hurlé à mort. Ah, c'est horrible. Je sais plus comment il avait fait son affaire, mais il me l'avait raconté et ah... Il avait passé une semaine à l'hosto, je crois. Audition santé, coton-tige, danger. Ouais. Ouais, ouais. Allô, docteur. On vous explique pourquoi les cotons-tiges sont dangereux pour vos oreilles. Ouais. Pa-pa-pa-pa-pa-la-pa-la-pam. Je me sens mieux parce que je suis dans mon secteur où j'ai ma planque qui était celle des gobelins. Et je finirai bien par retrouver mes copains humains. Mais l'idée d'aller à ma planque m'arrange bien. Ça va, j'ai plutôt une bonne mémoire. Pour le moment. Bon. Je regarde mon téléphone honteusement. Est-ce que la famille m'a... Ah, d'accord. Ok, je viens de recevoir... Pardon, petite pause. Je viens de recevoir enfin un message pour ma soirée. Donc, je crois pouvoir vous affirmer que je vous abandonne à 18h. On reste encore 2 grosses heures ensemble. Je viens d'avoir mon organisation de famille pour ce soir, c'est cool. Alors, attends, est-ce que je peux déposer tout d'un coup? Ah bon? Je peux en mettre 12? Je croyais que j'étais limité à 10. Ah bah c'est bien. Oh la vache! Il y en a plein que j'ai pas... Non mais il faut que j'aille me faire retirer les côtes de rat là. Mais pourquoi ça marche pas? Bah, je vais la manger celle-là. Je vais aller dans les... Là où il y a un feu. Et je vais aller cuire mes... Mais pareil, des champignons. Comment j'ai rangé ça, moi?
Alors attendez, j'ai mon deuxième sac qui est tout vide. Donc les côtes de rat, hop, celle-là je vais les garder sur moi. Je vais garder les... Ah bah j'ai les 6 pour l'énigme de la crypte. Le cierge, je vais le ranger. Je me remémore... Oh la vache, j'ai pas mal de trucs quand même. J'ai des kits de serrurerie. J'ai peut-être pas fait assez mon crochetage de serrure là. J'ai peut-être pas fait assez mon vilain. J'ai dû louper. Pourquoi c'est là ça? C'est mal. Oh, faudra peut-être que je trie convenablement mon chemin de bec moi. Ah bah tiens, j'ai une autre dague sabre non identifiée. Oh le bordel. Oh, épée de drain de vie. Sérieux? J'en suis équipé? Eh, je vais la garder l'arme là. Drain de vie. Mais c'est trop bien. Je tape l'ennemi et je lui bouffe de l'énergie. Que demande le peuple? C'est l'arme ultime. Alors attendez. Je vais garder ça en arme de secours parce que maintenant que j'ai un double sac... Je vais en profiter. Voilà, c'est beau le luxe. Le confort. La farine, je pourrais en faire pas grand chose parce que j'ai pas de flotte. Je suis confus. Je suis vraiment confus parce que j'ai. En fait, ce qui est beau, c'est l'ivresse d'avoir le choix. Je peux faire pas mal de choses, mais je sais pas. Commencer par quoi? Il faut que je cuise mes côtes de rat. Il faut que je range mon foutoir au niveau de l'alchimie. Voilà. Là, j'ai un gros foutoir bazar, pardon. Pour parler poliment, au niveau de l'alchimie. Ça, l'alchimie, hop. Si je suis en difficulté, je reviendrai. On va pas. Hein. J'ai plein d'ingrédients. Ça va là. Ça je garde. J'ai des pieux pour les... J'allais dire les tentacules. Les momies dans les catacombes. Là. Anneau d'invisibilité. Maintenant que j'ai un gros sac, je vais garder. Un anneau d'argent, je m'en fous. Ça c'est à revendre. Ça c'est à revendre. Ça c'est une bougie. Je la garde. Servira. Ça, c'est une dague épée courte. Je vais la mettre là. Ça, c'est anneau à revendre de la souffrance de mes deux. Ça aussi, c'est à revendre. Oh, faut que j'aille voir les commerçants humains. Et j'ai de la thune à me faire. J'ai de la thune à me faire. Tiens, je vais aligner tous les trucs de... Voilà. L'énigme de la crypte, ça, c'est fait. La clé des... Voilà. Et ça... Oui, non, ça, je me le garde. L'anneau d'invisibilité, ça peut servir. Et ben voilà, je suis prêt. Qu'est-ce que... Que je vais aller cuire mes côtes de rat. Et basta zarme. Et voilà, je vais répondre à mon essai. Ah ben, le feu, il est là. C'est bien. C'est un feu, donc ça va marcher, ma cuisson, ici. Cuisson de rat, là. Oh non, il y a un bug de collision. Oh non, le jeu t'es nul. Ah. Alors, il fallait un angle plus large. L'autre est pas assez proche, donc il reste cru. Merde. Ouais, c'est ch... Pardon, hein. C'est... Mais... Ne... Eh... Non, le jeu, t'es dégueulasse. Tu me restitues mon dû. Merci. Mais il veut pas que je m'en saisisse, hein, le salopard. Je vais aller au... Tant pis. Je vais voyager. Je vais aller au feu en bas. Là où j'avais tué le rat, l'araignée, je sais plus quoi. Le feu marchait vachement mieux. Quitte à refaire 15 bornes, je m'en moque. Tiens, lui, je l'ai éviscéré. Ouais, je l'ai éviscéré.
Il y avait un feu quelque part par là. Normalement, il n'y a plus personne. C'est là où je vais avoir une mauvaise surprise. Il y avait un feu quelque part en bas. Je ne me souviens plus. Éviscéré. Éviscéré. Éviscéré, éviscéré. Merde. Je me suis perdu. Ouais, les trois crânes, ça va. Ouais, c'est chez le roi gobelin. Mais merde. Il est où mon feu là avec le l'araignée? C'était quoi? Je vois la salle, mais je sais plus où elle est. Non, c'était pas en haut. C'était. Je me souviens que c'était à la base du truc. Là, je suis. Bah oui, forcément, c'est ouvert, donc j'ai tout pris. Il n'y a plus rien d'intéressant. Oi, 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 oi. Merde. Ah, ce serait pas par là. Si, c'est ça. Je reconnais l'endroit. Voilà. Oh la vache. Par contre, les gobelins, je m'en souvenais pas. D'accord, le poulet est mort. C'est quoi ça? C'est une chope, d'accord, j'en connaissais même plus l'objet. Alors, est-ce que je peux pas tout prendre d'un coup et tout cuire d'un coup? C'est débile, c'est dommage. Ce serait tellement logique de pouvoir faire une cuisson par l'eau. Voilà. Alors je fais ça, je bois un coup, je réponds au SMS de la famille, je fais mon vilain, excusez-moi, et je retourne pleinement dans le jeu. Allez. Merde, je suis en train de manger mes trucs, c'est, je vais les ranger, bah au moins il est nourri mon perso. 5. Ah bah ça va, il y en a 9, donc j'en ai mangé qu'une. J'entends des trucs bizarres. C'est quoi que j'entends? Il y a un truc dans l'eau qui bouge. Je sais pas ce que c'est, mais j'entends quelque chose dans l'eau. On entend le bruit de la cascade, mais... C'est là où il y a une entité qui est en comment on appelle ça, en translucide, en, vous savez, en ninja, en invisible, qui me mate, qui est prêt à m'assassiner dans le dos. Enfin, je verrai des cercles dans l'eau quand même. Non? Ah non, ils ont peut-être pas... Si, ils ont programmé ça. Mais... flippant ce que j'entends. Je suis pas sûr d'être en sécurité ici. Hein. La 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 la. Alors, eh ben au niveau bouffe, je suis tranquille. Ouais, bah je vais pas me priver du poulet. Il y avait un poisson aussi que le trollolol avait sur lui. Le gobelin, il avait quoi? Il était où le gobelin? C'est pas comme s'il était énorme. Il avait un poisson frais que je vais... Voilà, hop, je peux le mettre là. Non, très bien. Le poulet, il est considéré comme rôti ou pas? Putain, j'arrive pas à le mettre dans le feu. Ah non, c'est rôti, c'est rôti.
Ok, je peux me servir tel quel et je l'ai... Très bien. Nickel. Alors, un peu autant de manip chiante, je sauvegarde parce que... Au moins, j'ai la bouffe. Recoucou cousin, pardon. D'accord, ok. Hop. Oh, mais... je précise un truc, pardon. Je précise mon moyen de locomotion. Voilà, très bien. Je bois un coup et je retombe dans le jeu. Pardon pour la pause. Qu'est-ce que je vois? Oh, j'ai des moucherons à la noix qui sont noyés dans mon café au lait. Burk. Burk, burk, burk. J'aimerais éviter de les boire. Ah, bah bravo, j'ai les deux en même temps. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas eu de moucherons. Je pense qu'ils rentrent parce qu'ils sentent le froid de la mauvaise saison arriver. Et ils essayent... Ouais, ça fera de la viande, ouais. Ils essayent de survivre. Et ils ont dû rentrer chez moi, je pense, ces dernières 24 heures. Parce qu'il y a des moucherons, j'en avais pas vu depuis au moins un bon mois. Ça... En fait, c'est les mythes qui avaient pris le dessus. Et je me demande si j'ai pas neutralisé ma dernière mythe là tout à l'heure. Donc c'est bien, je suis peinard. Tout est redevenu calme. Les humains, je veux revoir le roi. Ah. Pardon. Rototo du café au lait. Ça fait du bien pour que ça passe. Hop, faut que je remonte avec le mécanisme à la noix. Boom. Oui, ça y est, je sais comment je vais faire. Je vais aller revoir mon copain troll qui pêche, là, qui s'est isolé du côté des grottes. Et que de portail vers les humains. Portail vers les humains. C'est la meilleure chose que j'ai à faire. Message de Torota 77. Le chapi chapeau chapi. Le chapi chapeau chapu, c'est un scandale. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Eh bien. C'est rigolo, ta variante de boîte synthèse. C'est rigolo. T'es bien, je vois que vous êtes inspiré. Ah. Oh, il joue du pipo! Du pipo, du pipo. Il jouait le chapi chapeau chapeau. Voilà. Le premier qui dit chapu. Le chapi chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Ouah, mais je me souvenais plus qu'il y avait autant d'herbe. Il y a de l'herbe. La 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 la. Non, non, je veux la conserver, pas la jeter. Ah merde, il remonte. Il remonte en jouant du pipeau. Mais pardon, mais je vais le dévaliser de ses végétaux parce que... Oh, il a même du nénuphar. Trop bien.
Ça va faire de la potion. Je sais que ça, c'est pour faire des potions. Je ne l'ai que trop compris en regardant les inventaires des alchimistes dans le jeu. Alors là, ça fait un joli parterre, mais c'est un parterre de potions. Donc, réquisition. Mais là, il va gueuler, il va me faire la tête la prochaine fois que je vais venir le voir. Ouais, mes plantes, elles t'ont tout saccagé. Nalo. Et je lui donnerai raison. Je suis un vilain. Mais c'est pour le bien. Je ferai tout plein de potions. Pa 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 la pa pa la pa pi pa pa la pa. J'en reviens pas comme on a avancé à donf dans les énigmes des femmes serpents, mais ça fait plaisir. C'est... Par contre, la dernière, là, elle va être balèze. Hein. Parce que le coup, t'avances dans le couloir, t'es téléporté en arrière, là, j'ai pas compris. Mais je cherche pas à forcer. Je pense qu'au prochain épisode, ça va me... Enfin, j'espère. Mais bref. Château. Ah, oh, je veux voir le roi. Je veux voir Meshire. Je l'aime beaucoup. Poxalis, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Poxalis. Une porte. Pardon. On va être poli, on ferme derrière soi. Voilà. Alors. Je sais plus à quoi j'ai accès. Je vais faire le tour des chambres. Je sais plus à quoi j'ai accès. Bonjour, mon roi. Maintenant, allez, Amshagar. Et sauvez-nous du démon. Retrouvez Kraos et Zoark. Et détruisez cette maudite statue. Oh oui, ma chère. Amshagar, mettez-vous en quête de Kraos et Zoark. Bah... Oui. Il paraît que les gobelins capturent des gens pour les revendre. Oui. Oui, oui, oui. Le mec à la taverne. La taverne, il faudrait que j'y retourne aussi parce qu'on y apprend des choses. La taverne, oui, oui, oui. Il y a un gobelin qui avait dit trafic d'humains là pour le. Felnor, c'est le gars qui joue. C'est le ménestrel là. C'est le mec qui joue du pipeau pour le roi. C'est fermé, c'est ses appartements, c'est normal. Fallen Orbi Planax, c'est le mec qui a été assassiné. Donc voilà, j'avais résolu le truc, c'est pour ça que la chambre est ouverte. Le coffre, il était ouvert ou pas? Oui, il était ouvert. Il y avait quoi dedans? Antidote, de la poudre et du... Ouais, il avait déjà réduit en poudre les trucs. Ouais. Donc là, il n'y a rien de neuf. La chambre là, c'est pas celle du roi. Merde, il y a un garde. Je serais tenté de crocheter. Ouais, mais si utiliser de la cire, oui. Ah bah, c'est la chambre du roi. Le mec qui rentre dans la chambre du roi. Ah bah non, ça c'est le portail d'où je viens. Ça c'est la chambre de qui? Amshagar. Ah mais c'est ma chambre. Attends, j'ai la clé? Ah, j'ai la clé. Oh, les salopards. C'est dégueulasse. Oh, ne nuit pas que c'est... Oh non. Je pouvais... Enfin, c'est pas cher. Mais je pouvais avoir un sac ici. Je peux les cumuler? Je peux cumuler 3 sacs. Ouais. J'ai plus de problème d'inventaire. Mais je vais m'en mettre plein les fouines. Mais qu'est-ce que c'est que cette partie de fou? Là, j'ai de la bouffe. Ah, des pommes, c'est intéressant. Parce qu'avec de la pâte à pain, je peux faire de la tarte aux pommes. J'ai souvenu... Là aussi, j'en ai fait pas mal. Rappelez-vous, précédemment. J'en ai fait pas mal. Là, j'ai du poisson. Là, j'ai du poulet. Bah, je meurs pas de faim. Donc, je vais mettre Voilà, je vais mettre la bouffe là. Je carburera et ça me va très bien. Oui, mon dieu. Je sais plus ce que je lis.
Là, il y a un passage secret, là, on le voit. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Et normalement, c'est ça. Merde, j'y arrive plus. Voilà, faut être plus proche. C'est pour... c'est une sortie de secours, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. On se barre un peu plus loin dans le château. Ça, c'est quoi? Oh. Oh, il n'y a pas de garde. Je sauvegarde et je force la serrure. On n'a rien vu. Attendez, je suis bête, mais j'ai peut-être la clé. Attendez, attendez. J'ai pas la clé? Non, j'ai pas la clé. Je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ça n'est pas possible. Ah bon? Je ne peux pas faire ça. Ah ouais, j'ai pas cassé mon... Mais je peux pas, je sais pas. Ah oui, c'est comme ça qu'on a la carte, c'est vrai. Bon bah, mystère, boule de gomme. Ah oui, ça c'est pour ouvrir le truc. Merde, je l'ai refermé. Voilà. Vente. Ah bah tiens. On voulait un autre. Vente humain. Le levier il est pas là, il est où le levier? Ah non, c'est un bouton. Comme tu dis, waouh. Mais non, mais c'est la sortie que je voulais aller. Je voulais pas aller dans la cellule de prison. J'en ai rien à péter, moi, de la cellule de prison. Merde, c'est à sens unique. J'ai pas l'air con. Ah merde, c'est à sens unique. Oh, bordelum. Mais Sésame, ouvre-toi. Non, bah, non, mais. Ah, putain, c'était sûr. Les bugs de collision. Bon, bah, on va visiter les geôles. Allez, hop. Comme je peux pas passer à cause de l'autre Nigo, là. Oh, le bruit que ça fait. Vache. Quelque chose. Putain, mais il carbure la dalle. Allez hop, un rat rôti. Bon, tu peux bouger, toi. Bouge ton boule. C'est réconfortant de vous voir, gardien. Bouge ton boule. Oui, je l'ai doublé. Alléluia, je suis parvenu à passer, à me casser. Ça parle mal, mais j'en avais marre. Alors sur notre droite était la salle du conseil. Je m'en souviens encore. Plus loin il y a la réserve des soldats là, leur garderie, comment ça s'appelle, la pas l'infanterie, la caserne. On va chercher le nom. Ils sont pas par là-bas les vendeurs, là où il y a le lampadaire. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour la chimie. Encore une canne à pêche. Mais tout le monde perd sa canne à pêche en ce moment. Oh, trop bien. Putain, c'est bizarre, je me souvenais pas que j'avais laissé autant de ressources. Bon. Ah, les commerçants. Et lui, il a des choses à dire. Ça fait un bout de temps qu'on ne voit plus le gars de la guilde des voyageurs. Ouais, bah il est parti au loin dans une autre cité. Il y a Olive qui m'avait dit ça me ferait une surprise si je parviens à atteindre la surface.
Peut-être qu'un jour j'y arriverai, je sais pas, on verra. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Je crois que ici, voilà, t'as tout en fait. Et j'ai plein de choses à te vendre. Alors je te vends ça. Je te vends ça. Les coupelles. Ouais, non, mais je vais les faire une à une. Voilà, coupelles à vendre. Tac. Tac. L'anneau maudit vaut cher. Il vaut 300 à la revente. Très bien. Ça, je me le garde. C'est. Ouais, ça vaut cher et c'est précieux. C'est l'anneau d'invisibilité. Je suis pas taré, je vais pas m'en séparer. C'est dans ces champs qu'il y avait les tordus là qui avaient kidnappé la gamine. Je crois que c'était là. Pas vrai? Ouais, bon, bref. Oh, les gardes, ils ont pas grand chose à dire. Est-ce que j'ai encore autre chose à vendre à part des armes? Non. Je vais garder ça là. Non, j'ai rien d'autre à vendre. Je suis bien. Oh, la crypte, elle est ouverte. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai l'énigme des femmes serpents, là. Il y a le coup de la téléportation dans le couloir. Ouais, la porcherie, là où ils ont rangé leur Porsche. Pas mal, ta vision des choses, c'est une scène. Ah non. Vache, je me mets à bailler. À croire que j'ai pas assez dormi, affolant. Je cogite. Les sorts. C'était pas idiot mon idée d'acheter des sorts. Est-ce qu'on se mettrait pas en quête d'essayer d'acheter tous les sorts? La... Elle vend les sorts, les runes, là, vous savez, les combinaisons qui me manquent. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à mes marchandises, n'hésitez pas à vous servir. Voilà. Est-ce qu'elle a un truc que j'ai pas? Est-ce qu'elle a... Non, je crois que je les ai. Attendez, je vérifie. Ouais, je les vois dans mon... Ah, peut-être pas ça. Ça, c'est quoi? Kaum. Ah oh, non, c'est ça, c'est Kaum. Ouais, méga... Kosum, c'est ça? Kosum. Yatar. Tartar. Tu veux comment, hein, ton steak? Tu le veux? Tartar. C'est n'importe quoi, c'est rigolo. Non, j'ai déjà en fait. Mais rien ne vaudra un bon steak. C'est très con. C'est très con, ça ne fait rire que moi. Excusez-moi. Bon, poisson, machin, elle a pas de prune. Non. Elle a pas. Elle vend des. Ah si. Vitae. Non, je les ai. Je les ai déjà. D'ailleurs, c'est à se demander si c'est pas des runes que je lui ai vendues moi. Par contre, elle a beaucoup de potions de mana. Si je regarde... Attendez. Hey, il me manque 4 runes. Si on suit la logique de l'interface du jeu, il me manque 4 foutues runes. Soit je les achète, soit je les trouve. Ha ! Que je sois certain d'avoir tous les sorts. Encore l'idée de pouvoir tous les maîtriser... potentiellement accessoire. Mais j'aimerais être en possession de toutes les runes. Où est-ce que j'aurai un vendeur de runes? On a vu le gars qui est ermite là dans les grottes en bas au 6e sous-sol. C'est fait.
La dame ici, c'est fait. Qui peut me vendre d'autres runes? Effort de mémoire. Est-ce que les trolls peuvent me vendre des runes? Non, ils maîtrisent pas la magie. Les gobelins encore moins. Est-ce que les femmes serpents font du commerce? Je pense pas. Je pense pas que les femmes serpents faillent du commerce. C'est dommage qu'il n'y ait pas Olive qui tue. J'adorerais lui poser quelques questions. Les autres peuplades, à part les hommes rats qui sont vilains, il y a quoi? Il y a rien d'autre, je crois. Je sais plus. À part les barges de la secte, hein, les méchants, on les oublie. Hein, c'est pas eux qui vont. C'est pas eux qui vont m'en vendre. Au pire, je pourrais leur en voler et leur en confisquer, mais... Merde, ma webcam a sauté. Dommage, tant pis. Je la remettrai tout à l'heure. Je crois que je l'ai dans le baba. Ce qui serait énorme, ce serait d'avoir la lévitation. Si, sans déconner, le jour où j'ai la lévitation, je... Ah bah merde, putain, mais je l'ai. Pardon. Au moment où j'en parle, je l'ai. Permet au lanceur de sort de se déplacer par lévitation. Non. Mais c'est énorme. Attendez. Je vais faire une grosse sauvegarde en dur et je vais dire... je sais pas quoi. Coffre, oui, peu importe, je sais même plus. Heureusement que j'ai la date et l'heure sur mes sauvegardes parce que je suis complètement largué. Attendez voir, je vais essayer la lévitation. Alors, lévitation, je vous le dis tout de suite, on va faire de l'exploration partout. Parce que les endroits au perché où j'avais dit il y a un truc, comment ça marche la lévitation? Et ben, même dans la crypte, je suis sûr que dans la crypte il y a des trucs. Voilà, j'ai l'air débile. J'ai l'air débile. Ah, attendez, je vérifie ma consommation de mana. Alors, vous pouvez pas voir ma mana parce qu'elle est en bas à droite, là où il y a ma webcam dans mon habillage de chaîne. Mais la mana, là, j'ai déjà bouffé un quart. Autant dire que je fais du 4 litres au 100. Waouh, je commence à avoir au-dessus des toits, vous voyez. Je suis l'homme qui maîtrise la lévitation. Oh, il va y avoir un truc sur ce toit. Ouh, on va se faire une heure d'exploration délirante. Par contre, j'aimerais savoir si je peux monter ou pas dans ma lévitation. Parce que là où je regarde, je ne vais pas forcément. Il y a une touche pour monter et descendre. Non, là, c'est le regard que j'ai monté. C'est pas ça. Oh, on va faire des découvertes, les copains. 30 secondes. Je me permets de regarder dans le menu. Je veux voir les touches. Il faut que je révise les touches au clavier. Utiliser action sautée, magie, discrétion. Rien à droite, pencher, s'accroupir, rester accroupi, déplacement latéral. Centrer, vue souris, c'est B3. Ah oui, non, c'est pour recentrer, d'accord, c'est le bouton central de la souris. Tourner à gauche, tourner à droite, regarder en haut, regarder en bas, ça je connais. Ouvrir inventaire, ouvrir livre, fiche perso, la carte, le livre de sort, le journal, la potion de vie, la potion de la torche. Ah, il y a une touche pour la torche. Merde, je me souvenais plus que je pouvais, au lieu d'aller dans l'inventaire, je peux faire un truc rapide. T comme torche, faut que je retienne T comme torche. Sort mémorisé, ouais, c'est 1, 2, 3, 4 là. Mode de combat, se désarmer. Ah, on peut jeter son arme. Précédent suivant, chargement rapide, sauvegarde rapide et carte. Ah, annuler son sort. Eh, c'est pas mal ça, annuler le sort en cours. Quand on veut interrompre un truc et qu'on utilise de la mana, ce serait peut-être bien que je le prenne. Non. Oui, retour arrière, ce serait bien pour annuler un sort. Et j'ai zigouillé quoi? Ouvrir un livre. Je vais mettre L pour lire. Eh bah, c'est très bien comme ça. B1, c'était quoi? C'était attaquer, je crois. B1. B2. J'espère que j'ai pas détraqué mon jeu.
Là, je casse le sort. Très bien. Ça fonctionne très très bien. Je... Enfin non, c'est pas une question de sauvegarde, les touches. Et maintenant, je ne sais plus. Alors, la mana... dites-moi qu'elle se régénère, ma mana. Parce que... Oui, alors tout doucement, mais elle se régénère. Parce que sinon, ça va me coûter super cher en mana. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de fleurs bleues et de commerçants qui ont la mana. On commence... Et on va commencer par la... La... En plus, je vais retourner à la taverne. On va aller, vous savez, à la forteresse humaine, là, avec le passage des blayés. Souvenez-vous qu'à chaque fois, je disais, je vois un truc qui est sur la rive, sur la falaise, et on peut pas l'atteindre, sauf par lévitation. Eh ben, on va commencer par là. Dans l'heure qui suit, je vous le dis tout de suite, je vais vous faire une heure de lévitation. Il y a obligatoirement plein de trucs à faire. Même dans les mines, il y a des trucs en hauteur, je les visionne, je les ai en tête. Une forte probabilité qu'il y ait des trucs planqués. En plus, comme j'ai l'inventaire qui a été multiplié par 3, c'est pas comme si j'avais trouvé 2 sacs en une heure. J'ai jamais aussi bien joué Arx Fatalis que maintenant. Eh ben, merci à vous de m'avoir proposé de faire le jeu maintenant, parce que ça me réussit énormément. Pourquoi je peux pas me débarrasser du bouquin? Merci. J'étais en train de devenir fou, là. Il était parti pour hanter mon écran. Oui, avec le plan, ça aide. Oui, j'ai éviscéré ce rat. Ta 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 ta. Ah, c'est dommage que je puisse pas tirer à l'arc. Eh, trop classe. On se met derrière le rocher et on vise. On s'exerce à la cible. Faudra que je le fasse. Et j'ai dit que, ouais, je crois que c'est à partir de là que je peux faire de la lévitation. Les fidèles qui me suivaient, regardez, là, on voit le truc en bleu. Vous voyez? Eh ben, sauvegarde, je fais la lévitation et je vais vous choper ça. C'est obligé. C'est... On voit, c'est l'objet nous tend les bras, là. Mais... Ah, c'est parce que j'ai programmé la touche L. Ok, il faut que je fasse la touche L, maintenant. On a dit lévitation. Pourquoi ça s'affiche plus? Bah! Mais non, mais! J'avais le mémo, pourquoi je l'ai plus? Oh, c'est dégueulasse! Hein. J'ai déréglé le truc et j'ai plus le mémo! Alors attends, c'est. Il faut que j'apprenne la formule par cœur. Ouais, alors c'est ça. Ah non! Non, alors, j'ai un bug. J'ai un gros gros bug. Il a dû me garder le bouton de souris pour quelque chose qui va pas. Il va... L'ouverture du bouquin avec la souris, non. C'est hors de question. C'est... Je dois avoir un B1 qui se promène quelque part et qui est... Voilà, dans ouvrir livre. Non, 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 non. Je veux juste le L. Moi, je crois que ça va être tout différent. Merci. Le G. Alors, le G. Oh. Oh, c'est horrible. Mais non, mais... Ah, le jeu qui devient lourdingue. Mais tu m'acceptes mon G ou Crotum, ou comme ça peut-être, non? Mais non, mais... Ah, c'est énervant. C'est vraiment frustrant.
Ah, voilà, et Zoro. Ah bah, Zoro, ça marche nickel. Non, non, mais non, mais... Mais non, mais pourquoi il y a un mur invisible alors que ça me tend les bras et que je le vois? Mais c'est nul, je devrais pouvoir glisser entre les deux trucs. Oh, mais vous êtes... Non, alors ça, c'est nul. Mais il n'y a rien pour monter quand t'es en lévitation. Il faut déjà être en hauteur. Bon, bah, je casse mon sort parce que je vais économiser ma mana. Ou alors, il faut que je sois devant la... Mais c'est vraiment débile. Il faut que j'escalade ça? Mais je vais me tuer si je passe au travers des... Ah, oh, c'est nul. Attendez. Oh. Ah. Merci. Non, ils ont mis un mur invisible, mais ils sont débiles. Oh là là. Bon, bah alors, je vais faire le sort, mais devant la forteresse, parce que là... Je vais pas m'en sortir. Oh, c'est nul. Tu vois le truc, mais tu peux pas l'atteindre. Ouais, c'est ça ton retard. Mais je te lirai pas de vive voix parce que c'est du latin grossier. Mais c'est ça. Oh là 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 là, comment le... Oh, il est mort l'ivrogne ou il est encore en vie là? Non, il bouge. Alan Shire, notre bon roi. Bon, bah il est heureux avec ce qu'il a, tant mieux pour lui. Mais c'est là le truc, comment veux-tu que je l'atteigne? Après je vais pas être à la bonne hauteur. C'est débile. C'est débile. Par contre, attendez, il y a une partie supérieure que je connais pas là de la forteresse, ça me dit rien du tout, le luminaire sur le... Il y a une touche que j'ignore ou une manière de faire que j'ignore pour la lévitation. Non, j'étais pas en droit de sauter là. Non, bah j'étais plus haut tout à l'heure. Comment je fais? Alors, minute papillon. Est-ce qu'il y a une astuce d'escalade? Non, là j'ai un mur invisible. Le jeu veut pas que je monte là. Le jeu veut pas que je monte là. Je sais pas. Ah, peut-être par là. Ah, il y a un truc. Il m'a proposé quelque chose en plus. Une émeraude, un rubis. Ah, je veux bien. Alors, je ne les vois pas, mais je peux m'en saisir. D'accord. Ce mur est bizarre. Un coffre. Qui est bizarre aussi. Ah, il y a quelque chose. Non mais sans déconner, la lévitation est mal foutue quoi. Je peux pas escalader. Attends, comment je fais pour me... C'est la poutre. Faut que je marche sur la poutre et c'est bon. Ah non, il y a ça qui me... Alors, pardon si ça donne un moment de flottement dans le jeu, mais je découvre, donc... je sollicite votre indulgence. Oh, il nous en cache bien des choses, le jeu, je vous le dis, moi. Il doit y avoir mille et un secrets. Ou alors, plus simple, je pars de la plateforme supérieure sans me forcer. Pardon, j'ai marché sur le cochon, désolé. Et je fais le tour. J'espère que je vais avoir assez de mana, mais je vais faire le tour. Bougez pas. Oh, qu'on va découvrir des trucs. Oh, le jet de la mort annoncé passé. Voilà, c'est parti.
J'ai pas besoin d'être en mode combat. Je sais pas pourquoi en lévitation il veut rester en combat, mais bon. C'est débile d'ailleurs. Oui, merci, parce que... Que je puisse saisir des objets. Nous arrivons à l'heure de la contemplation. Oh, je vois des choses interdites, je crois. Et même du côté de la grotte, là, on dirait qu'il y a des trucs. Ah, c'est des jeux d'ombre. Il y a des petites cavités bien foutues. Là, il n'y a rien. Par contre, la mana, je suis presque à la moitié. Ça va, ça bouffe de la mana à une vitesse. Voilà, là, il y a un truc, là. Là, je peux casser le sort. Oh, un diamant! Je suis riche! Ah, le coffre a été ouvert. Et là, il y a une trappe. J'ai cru que c'était un bijou, mais c'est une trappe. Et la trappe, elle est pétée. Enfin, elle est obstruée par le... Oh mon dieu. Je peux balancer le coffre qui est un objet. Comme ça, on l'aura en contrebas. Je ne peux rien faire de ça. Ok. Je soupçonne ces murs de cacher bien des choses. Bizarre. J'ai faim. Merde, mon perso a faim. Merde. Comment je fais pour le... Ça me bouffe d'avoir un truc qui me tend les bras et que je peux pas... Parce qu'il faut que j'aille haut pour avoir le machin que je vous ai parlé en bleu, là. Comment je fais pour faire de l'escalade et atteindre le niveau du machin? Comme je peux pas... Alors, je ne subis aucun dégât de brûlure. C'est impressionnant, mais c'est ainsi. Eh, je fais de la lévitation, je l'ai pas, hein, le machin, j'y crois pas. Alors... Merde, c'était comme ça, je ne sais plus. Oh, j'ai réussi du premier coup. Non, j'ai merdé, dommage, c'était pas la bonne formule. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit quelque chose, j'ai pas compris. Il me parlait de revente. Ah, voilà, des gars. Passion. Oh, il y a des gamins qui jouent devant chez moi, ils sont déchaînés. Eh ben... Oui, je le sais, Polstron. Tu ne m'apprends rien. Ah, cette fois-ci, il me garde la mémoire des runes à faire. Voilà. Non, je me suis planté. Merdoum. Non plus. Patio. Patio. Ouais, le patio qui requiert beaucoup de patience. Et là, je suis normalement en lévitation, mais le sort m'a été refusé. Non, mais c'est une blague. Ou alors, il y a une aura d'anti-magie et je la vois pas. Je m'acharne pas, je verrai plus tard. Ou vous savez quoi, je me le garde éventuellement hors antenne. Et je le ferai, je vous dirai ce qu'il en est, parce que là, ça me bouffe. Je comprends pas pourquoi le jeu me refuse la lévitation. Oui, c'est lui qui m'avait balancé des dossiers. Oula, il est complètement pimpette. Allons bon, arrête de me regarder comme ça. Attends,
con. Bon. Ah, il n'y a plus le mec. C'est dommage, il était de bons conseils. Où est-il parti? Je ne sais pas. Parfois, les jeux d'ombre, je me méfie. J'ai l'impression qu'il y a, un truc derrière. Mais bon, bref. Non, eux, je les boude. Là, c'est les toilettes. Ouais. C'est dommage. Au début, il y avait un mec qui était là. Et il aurait dû rester parce qu'il donnait des conseils de fou. Oh non, je vais pas lui shipper. Tiens, on dirait qu'il y a un truc sur le mur. Oh, il y a bien des... Attendez. Il y a un gribouillis sur le mur. C'est bizarre parce qu'on voyait bien une inscription. Quelques mots gravés dans la pierre. C'est un message du mec qui dit « Je suis torturé, venez me sauver. » Ah, livre de quête mis à jour. Voyageurs, si vous pouvez, non, si vous voulez participer à ma chasse au trésor, vous devrez vous munir d'une émeraude pour ouvrir mon coffre, Olivier. Alors c'est trop tard, j'ai trouvé le coffre et il a été dévalisé. Olivier, c'est qui Olivier? C'est pas hein? Bon, je à la cour du roi, je connais pas l'Olivier. Attends, il a dit quoi? Une émeraude? J'ai jamais ouvert un coffre avec une émeraude. Ça doit être un coffre spécial, non? L'autre, il chante. Il chante un la. Eux, il y a les maboules. Non, il doit y avoir les chars d'assaut sur pattes, donc je vais éviter de me faire casser la figure. Enfin, je pense. Mais... il y avait rien... Je pense qu'il y aurait rien en lévitation dans la secte. De mémoire, je me souviens de leur pièce et je pense pas qu'il y ait un truc de planqué en hauteur. Encore que... Rien ne nous interdit de vérifier, on va aller voir. Tant qu'il n'y a pas les chars d'assaut sur pattes et que je peux encore déambuler dans la secte, je pourrais peut-être faire un tour rapide, mais ne serait-ce que par nostalgie. Mais à mon humble avis, ouais non, il n'y a plus personne là. Enfin, ici, il n'y a plus personne. Après, c'est pas dit. Sauvegarde de sécurité, parce que je vais peut-être m'en prendre la tronche. C'est là où je vais avoir droit à un comité d'accueil, je vais me faire tabasser. Il y a pas mal qui klaxonnent, il y a un mariage. Ah, bon, mais ça, c'est un événement heureux. C'est moi où j'ai vu quelqu'un passer ou c'était une illusion digne du temple des femmes serpents? Non. Non. Le mec que j'ai vu, c'est un char d'assaut sur pattes. Ah, il y a la herse. Il y a un truc qui est fermé. Non, il y a un mec... il y a un char d'assaut sur pattes. Je me barre. Parce que je vais me faire déboîter. Je suis pas doué pour les trois boules de feu que m'avait enseigné Olive qui tue. J'y crois pas. Je me vois pas faire face. Oh, pardon. Merde, j'allais y retourner, moi, tiens. Donc, j'ai la frustration de... J'ai la frustration de cette forteresse à la noix. Eh oh, il y a quelqu'un qui me suit là ou quoi? Je vais devenir parano. Hein. C'est quoi? Il y a un truc dans l'eau. Hein.
Il y a quelque chose... C'est quoi? C'est les crapauds? Ah, c'est les mulots! D'accord! C'est les mulots qui sont dans la flotte! Waouh! Je deviens parano! J'ai cru un instant que j'étais suivi par un machin dans la flotte, là. Ah, ah. Oh, l'autre, il me parle mal. Ça me bouffe le coup de la lévitation qui ne veut pas marcher. Ça me bouffe. Oh, question, Torota. Je sais pas si tu m'écoutes. Je sais que t'es en train de reprendre du poil de la bête. Là, au niveau de la santé, tu vas mieux. Tu fais un relais de chaîne. Tu fais un relais de chaîne. Non, c'est moi justement qui ai l'intention d'en faire un tout à l'heure. Ma question était de savoir si tu prenais ton antenne tout à l'heure et à quelle heure. Parce que si j'arrête à 18h et que tu démarres à 18h, je te fais un relais de chaîne. Avec grand plaisir, Torota. Surtout que ça va faire un petit moment que je t'en ai pas fait, hein. Il n'y a plus rien ici, surtout je suis mort. Bah. J'ai faim. Allez, le perso qui a encore faim. Ah bah tiens, faudra peut-être que je garde une émeraude, moi. L'olivier de Carglass là qui me dit le coffre qui souffre à l'émeraude. Mais alors quel coffre? Re le baron, re. Et maintenant que j'ai un énorme inventaire de fous furieux là, je vais peut-être me barrer avec ce que j'avais sous la main dans le. Dans la forge gobeline. Ah. Oula, ça rame d'un seul coup, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi. Quand je regarde à l'angle de la pièce, ça se met à ramer. Il doit y avoir un bug graphique. C'est pas possible autrement. Je vais embarquer ces armes pour les revendre. Oh. Je vais me faire de la thunasse. Alors ça, c'est des trucs, je m'en moque. Ça, c'est la forge. Là, il y a des gourdins. En veux-tu, en voilà. Ces bruits d'ambiance, j'adore. Gobelin. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Non, je vais pas retourner dans ma planque. C'est... Je retourne dans les... Dans les niveaux inférieurs. Non, ça c'était pété. Je retourne dans les niveaux inférieurs pour... ici, on n'a pas fait lévitation. Je suis sûr qu'il y a un truc là-bas. Je vous avais déjà fait la remarque précédemment. C'est trop tentant. C'est beaucoup trop tentant. Parce que ça, c'est une partie de grotte que je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Enfin, si j'y arrive... Ah, la lévitation fonctionne. Il devait y avoir un truc d'anti-magie là-bas. C'est pas possible. C'est trop bizarre. Alors j'espère que je vais réussir à trouver un point d'entrée au... Ah, peut-être par là, oui. Mais c'est bizarre parce que vu de dessus, on dirait presque qu'il y a un chemin. Un chemin qui dit pas son nom. Ah, oh, trop bien. Après tous ces épisodes...
Sauvegarde, on va découvrir des trucs, c'est obligé. Question. J'ai pas regardé. J'en suis à combien de minutes dans Ex Fatalis? Parce que j'ai peut-être coupé mon enregistrement en deux, que ça fasse pas un trop gros truc. Non, énigme. C'est vrai que du coup, j'en oublie la crypte. La crypte sans offense, on la fera plus tard. Mince, Dorota est plus là, dommage. J'aurais bien aimé savoir s'il faisait un direct ce soir. Oh, je verrai le moment venu, c'est pas grave, je verrai à 18h. Mystère, ouais, on peut dire qu'il y a une part de mystère dans ce que je fais. J'en regarde mon OBS, juste pour YouTube, que j'évite de faire un gros pavé comme Far Cry. Tableau mystère. Attendez, ça fait depuis 2 heures que je fais du... Ah oui, alors je coupe en deux, effectivement, parce que sinon là j'aurai un truc de 4 heures monstrueux là.